Bonjour, bienvenue sur ce second épisode sur la campagne de Company of Heroes 2. Malgré que le 3 vient de sortir, suite de la campagne, on venait de finir la première mission par rapport à notre débarquement à Stalingrad, enfin débarquement entre guillemets, vraiment un débarquement. Bah, du coup, on va continuer, voilà, toujours la campagne soviétique. Et c'est parti! Ouais. Stalingrad. Je me souviens. Ces Allemands ont voulu se rendre et... Ce jour a été une glorieuse victoire pour nous. Glorieuse. Dites-moi, camarade. Quand avez-vous commencé à ne plus croire en la cause? Quand je vous ai rencontré, vous aviez pourtant la foi? En mes hommes. J'ai toujours cru en eux. Alors, septembre 1941, périphérie de Moscou, URSS. Près d'un an après que la Wehrmacht n'atteigne Stalingrad, l'armée rouge lutta pour riposter face à la menace de l'opération Barbarossa. Villes et villages de l'ouest de l'URSS furent évacués pour laisser les forces militaires s'installer et se préparer à l'assaut allemand. Cependant, la puissance de la Blitzkrieg prit le dessus sur de nombreuses troupes soviétiques. Ces divisions de grenadiers bien entraînées et disciplinées balayant le champ de bataille avec une brutale efficacité. Staline voulait désespérément empêcher une attaque sur Moscou et envoya des milliers de soldats à la mort en essayant de ralentir l'avancée des Allemands. Dans la banlieue de Moscou, Isakovitch rencontra le colonel Tchourkine pour la première fois. L'armée soviétique, il faut plus de courage pour reculer que pour avancer. Joseph Staline. Le colonel Tchourkine du NKVD. Le major Borodine a été écarté pour incompétence et j'ai pris le commandement. Camarades, les fascistes seront bientôt là. Notre ligne de front diminue encore. Et nous n'avons plus les ressources pour contenir les Allemands. Mais monsieur, nous devons les ralentir. Les civils ont besoin de temps pour s'enfuir. Lieutenant ? Isakovitch, Lev Abramovitch, camarade colonel. Oui, lieutenant, nous devons gagner du temps. Pour tous les civils, mais aussi pour Moscou. Nous devons aussi empêcher les Allemands de prendre nos ressources. Tout ce qui ne sera pas chargé dans ce train doit être détruit. Les Allemands arrivent! Faut partir! Les forces allemandes sont aux portes de la ville. Évacuez immédiatement! Laissez vos affaires, quittez la ville sur le champ! En avant, camarades! Camarade lieutenant Isakovitch, pendant que nos hommes continuent de charger le train, votre unité sera chargée d'évacuer et de détruire l'intégralité du matériel militaire restant. D'abord, contenez l'ennemi sur la ligne de front pendant que nos camions de ravitaillement évacuent. Ensuite, attirez les fascistes en ville, où nos soldats du génie ont placé des explosifs. Détruisez tout ce qui pourrait être utile aux Allemands. Et repliez-vous vers le dépôt ferroviaire pour protéger le train jusqu'à son départ. Le train parti, rendez-vous au point de ralliement de l'autre côté du pont. Lieutenant Isakovitch, êtes-vous prêt à exécuter les ordres? Pour la Rodina, la mère patrie! Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va me dire? Utiliser les compétences fusionnées des recrues pour renforcer les troupes de choc. Alors, attendez, je comprends pas. Il me dit de fusionner, mais fusionner avec quoi? Donc ça, c'est une bonne question. Non... Si je fais avec ça, non. Oh, ça va être chiant, ça. Attendez. Ok. Rien de comprendre, ok. Hop, là-bas. Ok, ok. Donc ça et ici. Ok, allez, hop. Je suis
suis désolé, hein, je suis un peu mou de la détente, si je puis dire. Yes. Ok, donc j'ai gagné des petites troupes en plus. Très bien. Lui aussi, hop. Voilà. Ok, bon. Ceci étant fait. Ces troupes de choc ont une formation et de l'équipement précieux. Protégez-les. Empêcher les Allemands d'avancer. Ben ouais, mais. Ouais. Maintenez. Empêcher les troupes d'avancer. Maintenir les troupes de choc en vie. Ouais. Ouais. Allez, voilà. 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 Donc ça c'est fait. Ici où qui s'en sont. Ok. Hop. J'ai commandé des nouvelles recrues. Voilà. Écoutez, ça a pas trop l'air mal pour le coup. Qu'est-ce que c'est? Oura. C'est quoi? C'est un truc pour buff, ça, je suppose. Ok. Voilà. Voilà. C'est pas ouf, hein. Faut faire avec, mais... faire avec, malheureusement. J'ai demandé des recrues, je sais pas où elles sont. Elles sont là, ok. Voilà. Ah, ok. Super. Eh, je vous ai pas vu, vous. Ah, merde. On va aller voir tirer, là. Ouh. D'accord. Ils essaient de nous flanquer. Mais on ne peut plus tenir cette position. Retour au camion. Ok. Allez hop. On va là. On va là. Position défensive et protéger ce ravitaillement à tout prix. C'est parti. Alors. Ici. 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 Faut être un peu plus un petit peu plus réactif là. Ici. Ah, qu'est-ce qu'ils font là? Putain, ils ont foiré. Bon, je sais pas trop, mais ok. Bon là, ils tirent à bout portant, ce qui est un peu bizarre, mais soit. Voilà. Je peux vous récupérer? Non, je peux pas vous récupérer, évidemment. Hop, je veux ça. Ici. Bon, là, j'en ai plus que deux. Pas ouf. Allez, hop. Là. Là, j'essaie un peu de... Je suis désolé, hein, je suis concentré. J'essaie de pas perdre bêtement mes soldats. Ce qui n'est pas gagné. Bravo, camarade lieutenant. Les camions de ravitaillement s'en vont. Ok, super. Ok. Matériel militaire crucial n'a pas pu être évacué à temps. Ordonnez à nos soldats du génie de le barder d'explosifs. Et de le faire sauter avant que les Allemands nous repoussent. Ok. Donc faut que je pète quoi là? Détruisez le véhicule abandonné. Chef, cet équipement c'est parti. Servir à repousser les Allemands, voire à faciliter l'évacuation. On ne peut pas risquer de laisser ce matériel. Allez hop, démonte. Détruisez-le tout de suite. Donc il y avait ça et il y avait ça aussi, ok. J'attends qu'ils aient fini de détruire le l'obusier.
Ah, en fait, je suis obligé de le... D'accord. Ok. Bon, les petits Allemands, là, qui font chier, c'est bon. Hop. Merde. Faut pas faire ce que je fais, hein. Comme un abruti, j'ai tué les... J'ai tué la section de... des ingénieurs. Putain, je suis trop con. Ok. Allez, hop. Ici. Bon, cette fois, ça va pas me péter à la gueule. Voilà. Merde, il est là. Là. Donc du coup, hop, faut que je recommande pour ce côté. Voilà. Franchement, ça se fait, hein. Tranquille, tranquille. Ça se fait tranquille. Bon, eux, ils sont pilonnés la gueule de tous les côtés, j'ai l'impression. Voilà. Qui est con, lui? Vous aurez besoin de ces soldats du génie pour détruire les éléments restants. Protégez-les. Oh, vous me faites chier là. Allez hop, prenez-vous une grenade dans la gueule. Voilà. J'avoue que c'est un peu le côté gênant là, mais bon, on fait avec. Allez hop. Voilà, cool, ils en ont pété un. Ça fait du taf en moi. Good job. Allez hop, cassez-vous. Cassez-vous. Il est sérieux, lui. Ah ouais, il est bête. Voilà, c'est bon. Bravo, camarades. Nous avons empêché les Allemands de s'emparer de notre matériel. Monsieur, ils utilisent des véhicules. Oh putain, ça recommence. Qui est super, j'ai sacrifié tous mes soldats. Notre section d'infanterie, ça va les retenir un moment, mais ils n'abandonneront pas si facilement. Ok. Cette ville tombera peut-être aux mains des fascistes, mais tout ce qu'il restera, ce sera des ruines fumantes. Repliez-vous vers le dépôt et réquisitionnez des lance-flammes pour le génie. Nous allons réduire cette ville en cendres. Ok, bon, c'est parti. On va essayer de récupérer du matos. Hop, toutes les troupes sortir. Toujours opérationnel. Profitez-en pour demander plus de recrues et de soldats du génie. Je suis pas du tout. C'est quoi ça? Infirmière de bataille. Oh, cool. Ah, c'est utile. Ok. Prends ça. Voilà, on va tous les cramer. Voilà. Ça, c'est du génie. Hop, donc on va piquer ça. Hop. Cool. On va se marrer. J'ai continué avec le génie, c'est quand même pratique. Ok. Ok. Et donc du coup, faut que je fasse quoi là? Brûler la maison. D'accord, bon bah écoutez... Très bien. Et du coup, c'est quoi ça? Ils disent pas. Palette de munitions. Ah, c'est des palettes, on s'en fout. Donc, hop. Allez, c'est parti les petites recrues là.
dans nos chiffres molles. C'est vraiment politique de la terre brûlée. C'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, j'ai quand même fait soigner mes petites unités, là, parce que les pauvres, ils ont un peu pris cher dans l'histoire. Ok, ok. Ouais, ils ont tous le... Très bien. Hop. Je soigne mes petites unités, hein. Je suis désolé, hein, vu qu'elles ont pris toute cher, là. Enfin, je sais pas si ça va beaucoup marcher, mais bon, bref. On va y aller avec ça. Allez, c'est parti. Contre-offensive, c'est parti, hop. Hop, 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 voilà. Hop, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc on peut cramer la maison, c'est parti. Hop. Alors toi par contre je sais pas ce que tu fais. Ouais, c'est pas ouf. On peut mieux faire. Hein. Ok, bon là il y a personne donc ça a l'air plutôt bon. Là c'est bon. Je sais pas trop ce qu'il fout mais ok. C'est bon? Vas-y, crame-moi ça. Bah, je comprends pas, j'arrive pas à le cramer le... Ah si, mettez ouf, d'accord. Ok. C'est parti, hop. Fais-moi des pécores là, voilà. Hop. Et je veux qu'il soit mis là. Ça, il est calmé. À votre tour, allez hop, maison de merde là. C'est parti. Ouais, pas très convaincu, mais bon, on fait avec. Hop. Et hop. Ce serait bien que ça se décide à... Voilà, à brûler. Très bien. Hop, on continue l'avancée. On se... On reste prudent. De toute façon, plus je vois rien. Alors. Ça sert à rien de... D'aller trop vite. Et ben voilà. Quand on appelle... Allez hop, vas-y, crame-les. Voilà. Cadeau. S'ils sont planqués comme ça, tu utilises ça, fais pas chier, hein, putain. Voilà, plus de méchants. Très bien. C'est quand même efficace, hein, le lance-flamme, hein. Quelle merveilleuse invention. Bon, eux, ils continuent à faire leur vie. Ici, il n'y a personne. Si, ils étaient planqués juste là, ok. Hop. Hop. Ok, alors, toi, t'avances. On va aller cramer cette maison-là. Où les mecs du génie. Hop. Et hop. Très bien. Et donc, elle est où la dernière maison que je dois cramer ? Juste là, ça va, allez hop, on y va. Oui mais je vous avoue que je m'en fous, le territoire là. Voilà. Hop, on va là. Oh Dieu merci, il n'y a pas de friendly fire. Ok. Donc qu'est-ce qu'ils appellent brûler les champs? D'accord, j'en mets un là.
Et puis je vais en mettre un là. Voilà. Ça va aller vite, hein. Franchement, là, il n'y a pas à tergiverser. Hop. Hop. Et puis j'en mets aussi au cas où. Hop, là. Nos forces sont encore dans les champs. On doit empêcher les Allemands d'avancer. Brûler les champs, vite. Allez, tiens, bim. Hop, c'est parti. Voilà, comme ça, ils vont tous crever, là. Ok. Hop. Et normalement, eux, ils sont là. Ouais, c'est bon. C'est parti. Voilà. Non, mes mecs sont morts comme des cons. Ok, donc ça, c'est fait, maintenant. Ok, donc du coup, il me faut, je pense, des ingénieurs. Et c'est quoi? Défense de campagne. Ah oui, d'accord, ok, ok. C'est parti. Avec du génie, là, hop. Ok. C'est parti. Alors, vous, vous avez déjà mis les mines? Bah putain, vous êtes rapide, hein. Hop. Ok, impeccable. Hop, c'est parti. On va installer les petites mines un peu partout. Ah, merde, pas du tout. Hop. Hop, c'est parti. Et puis du coup, bah toi, tu peux encore en mettre. J'adore miner. Bien plus qu'un hobby. Hop, c'est parti. Très bien. Hop, on se replie. Hop. Et du coup, ben là, voilà. Ok. Mais vu que je le sens pas, je vais en remettre genre là. Hop. Je vais en remettre genre là. Préparez vos armes, camarades. Là. Et surtout, n'oubliez pas de protéger à tout prix le dépôt ferroviaire. Ah ouais, forcément. Allez, hop. C'est parti. Hop. Hop. Putain, quelle bande d'enfoirés. Comment je suis censé miner de partout s'ils me foutent des... Putain, merde. Allez, hop. Là. Là. Bah ouais, forcément, je me fais canarder, bande de chiens. Allez, casse-toi. Voilà. Hop. 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 Voiture de recours allemand. Route ouest. Voilà, bim. Casse-toi. Du coup, hop. Vite. Ok, je peux plus avoir d'ingé. Ça fait un peu chier. On fait avec. Hop. C'est bon là? Et tous mes soldats? Oui, comme d'hab quoi. Comme d'hab. Allez hop. Hop.
aller là. Oui, bah écoute, grand bien leur face. Une autre voiture de recours arrive. Et hop, crève. Bien joué. Voilà. Allez, on va remettre une mine. Hop, tu vas pouvoir me la remettre, celle-là. Franchement, ça se fait, hein. Surprenant, mais ça se fait. Hop. Je vais en mettre une autre là. Ah putain, ils sont juste là, ces bâtards. Voilà, allez hop. Très bien, hop, on va continuer. Je vais en remettre une là. Voilà, le petit soldat du génie là. Très bien. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. Ça c'est tranquille. Ça c'est tranquille. Je peux pas dire mieux là pour le coup. Ça se fait. Hop. Voilà, allez hop. Très bien. Très bien. Franchement, ils sont bons, hein. Ils sont bons, mais braves, là. Par contre, là, ouais, mes mecs ont un peu pris cher. Donc, faut que je remette des petites unités ici. Hop. Peut-être voir pour remettre une mine. Ici aussi, peut-être. Hop. Les nouvelles recrues. On a réussi. On a presque fini. On évacue le dernier char. Allez hop. Ah putain, je vais me faire niquer. Voilà. Je vais reprendre un AG au cas où. Hop, voilà, ils sont en train de tirer. Ils tirent, ils tirent, ils tirent. Est-ce que tu penses que je peux faire ça? Ouais, ça c'est cool. Et hop. Super, petit soldat du génie. Je vais remettre ça. Soldat du génie, hop. Je sais pas si j'ai encore une mine, j'espère. Ah putain, j'ai pas de mine. Si, j'avais une mine, putain. C'est bon. Ah, j'ai eu peur. Allez, c'est parti. Ok. C'est pas mal comme, comme mécanique là pour la mission. J'aime bien le fait de devoir résister. Bon, c'est pas un truc de ouf, hein. On va commencer à dire waouh, trop bien. Oh putain. Mais ça a le mérite d'être bien. J'ai le travail. Hop, je vais remettre une autre mine. Ok. Toi tu reviens, toi tu vas pouvoir remettre une mine. Putain. C'est chaud, faut remettre tout le temps quand même. Hein. Voilà. Ah putain, ça c'était pas prévu. Bah ouais. Bah ouais. Ok.
Ok, appuyez-vous vers le pont. Vite, vite, vite. Allez, hop. C'est parti. Vite, 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 vite. Repli. Repli. J'avais oublié qu'il y avait ce bouton-là. Très pratique. Et bien voilà, donc une fin de mission qui permet de conclure cet épisode. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation, puis ben, à la prochaine. Voilà, ciao à tous!